Salut tout le monde, c'est Anode 666 et on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft. C'est la fameuse vidéo tant attendue. Et si cette vidéo est là, vous savez pourquoi elle est là. C'est parce que je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc cette vidéo, pour faire, c'est en quelque sorte un test. Hein. Elle durera entre 20 et 25 minutes, je pense 25. Et on est sur Minecraft, et je profite, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo précédente que j'ai sortie tout à l'heure, et bien que, vous voyez, regardez ma souris, là il y a une barre grise avec écrit Minecraft machin, et là aussi il y a une barre grise, et ben j'ai trouvé le moyen de l'enlever avec mon montage vidéo ScreenFlow, et maintenant ben je vais m'atteler, donc ça sera pas pour tout de suite, mais je commence ce travail, je vais faire demander à un ami de m'apprendre à le faire. Et comme je peux faire des vidéos plus longues, je ferai une intro pour ma chaîne YouTube et vous aurez une magnifique intro sur les vidéos. Ok, alors sur ce, je vais commencer. Alors pour fêter cela, on va créer un nouveau monde de type hardcore. On va l'appeler bon, c'est sûr, je l'ai fait de 25 minutes. 25 en enfer. Bon, je suis pas sûr que ça soit écrit juste enfer, mais moi je sais ce que c'est. Plus d'options. Bâtiment généré, oui. Type de monde, défaut, monde plat, biome large, pour bien être dans la merde. Autorisatrice, non, machin. Et le seed, on va mettre. Allez, le nom du câble. Accepter. Créer un nouveau monde. Donc, si je survis pendant 25 minutes, tant mieux. Je pense que ça devrait être faisable. Et puis, si je meurs avant, on recommencera. Parce que le mode hardcore, en fait, c'est ça. J'ai très peu de vie, machin. C'est beaucoup plus difficile. Et. Oh yes. Oh, y a des chiens. Putain, bon début, très bon début. Du moins. Alors, on va tout de suite commencer par faire les trucs fondamentaux de Minecraft. Donc, on est à côté d'une forêt, tranquille. Alors, on va rapidement faire ça. Le rapidement possible. Donc, je sais, j'ai appris quelque chose. En fait, les vidéos que je vous propose ne sont pas en HD. Malheureusement, c'est pas de la mauvaise qualité, mais c'est du HD. Si vous voulez avoir un petit peu meilleure qualité, et ben, vous pouvez régler dans les options de la vidéo sur YouTube. Laissez-moi la reprendre le sol en attendant. On a 5 de bois, ça devrait être suffisant. Alors, paf. Ça. Vas-y, comme ça. Tac. S'installer au bord de l'eau. Ouais. Sur une petite grotte sympa ici. Voilà. Parce que là, on risque de se faire attaquer par les mains. Donc, c'est une jolie map. Hein. J'espère qu'on tiendra le temps. Si j'arrive à tenir les 25 minutes, et ben, on verra si je continue la série. Je pense pas. Mais là, vous êtes sérieux. Oh, vous êtes sérieux? Laissez-moi! Là, tranquille. C'est pas loin de mon spawn en plus. Vous avez là. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je vais commencer le montage et puis. Là, ça. On s'en fera une en pierre. Check. Tac, on va tout de suite aller chercher 3 cubes de pierre et on s'en fait tout de suite en pierre. Comme ça. Faut pas tarder, faut tout de suite se faire un abri tranquille, ça serait bien qu'on trouve des moutons. Comme ça. Donc, bon, je termine ma pioche en pierre, bien sûr.
top. Oh putain, fais chier. Oh là 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 là, c'est pas bon signe du tout. Un peu de bruit là. C'est très chaud. Je sais pas où aller pour moi. Je vais faire là. Quoi, c'est possible? Oui, non, je sais pas. Ok, c'est là. Tac. Tac, il était bien fait. Ça, j'ai un peu de cobble quand même. Et tout de suite, t'as ramassé du bois et du charbon parce que j'ai fait du charbon avant, tout à l'heure. On va juste aller ramasser notre établi. Allez. Tuit. Alors. Alors, le charbon, il était en arbre, donc on va ramasser l'arbre, on va bien le ramasser. On va juste voir s'il a droppé l'arbre en haut. Parce que là, on va avoir besoin de sapline. Parce que là, c'est toi aussi. Est-ce qu'il était l'arbre qui était censé dropper? Bon. Ah! Ah yes, il a drobé au moins un sapling, c'est ce que j'attendais de lui, au minimum. Ah, les chiens, on va pas les frapper parce que... Oh putain, excusez-moi. On va pas les frapper parce qu'il pourrait me faire beaucoup de douleur. Alors, bois. Ramassage de bois. Donc oui, effectivement, les... sur ma gamme, c'est pas forcément intéressant, mais j'aimerais bien qu'ils sortent un peu des modes intéressants parce qu'il n'y a pas beaucoup de modes modifiant le gameplay. Je pense que avec les ajouts de j'ai le temps, non, c'est un petit peu plus pour avoir du sapin. Sinon, moi je trouve ça. Oh, une pomme, ça peut toujours être une pomme. Oh, deux pommes, les gens. Ça c'est sympa qu'il me donne des pommes. Un sapling, un sapling. Deux. On s'en fout pas un peu. Splendide! Tout sapling, 6 de bois, tranquille, posé. En fait, avant que le nuit tombe, je profite du soleil des 5 points là. Ok. Il ne devrait pas tarder à tomber. Juste faire un truc. En fait, pas, je n'utiliserai pas tout menu. Oh, il y a déjà du fer. C'est intéressant. Bon, écoutez, pour dire que c'est une map extrême en mode hardcore. Oh là là, la prononciation pourrie. Hardcore. On s'en sort pas trop mal. On a déjà du fer, de charbon, tout, mais ta gueule, mec. Pas avoir peur de la mort. Mais si, j'avoue que avec tous les monstres qui doivent rôder dans le coin, il faut quand même avoir un minimum de boules. Comme ça. Non, vous êtes sérieux là? Putain, on n'arrive pas une seule fois dessus, ces enfoirés. Un peu au stress là parce que j'ai pas envie de me faire tuer dès la première nuit. Putain, je suis très content. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais utilisez la pioche en pierre, mais autant économiser quoi et puis en profiter parce que voilà, je sais que je pourrais m'en faire beaucoup plus. Il reste en main. Bon, là c'est bon, ça pourrait me tomber dessus. Tranquille, posé.
Ne vous en faites pas, j'irai ramasser le fer. Bon, ok. On a 17 charbons, on a de quoi s'en sortir un minimum. Tac. Tac. Paf. Mais il y a déjà pas mal de fer, c'est sympa. Et gueule, petit chien. Donc. Oh putain, j'ai entendu le squelette. Oh là, on va mourir maintenant. Oh bon. On va essayer de trouver des moutons, bien sûr, non, on n'aura pas. Bon, c'est sympa, il y a pas mal de grottes naturelles là. Donc, on a de quoi miner. J'aimerais bien me faire un lit histoire de faire passer le temps légèrement plus vite. Putain. Légèrement. Histoire pas qu'on passe 25 minutes à errer dans les putain, le soleil est bientôt pieux. Vas-y, monte. Moutons, putain! Quand on a besoin d'eux, ils sont jamais là. C'est vraiment des bâtards. Vachement. Leur vache, bon, c'est mince plutôt bien. Il y a un peu de charbon, voilà, on a ce que je pense qu'on a une pioche, elle va se péter à la fin de ce bug. C'est sympa cet endroit, j'aime beaucoup. C'est sympa, très sympa, il y a le charbon et tout. Là, elle se casse. Allez, elle se casse, oui, non, oui, oui. Tu sais pas encore? Non. Alors, bon. Comme je dis pas grand chose, on va parler ensemble. On va débattre d'un sujet. Ce sujet est le suivant. Oh putain, j'ai pas trouvé de mouton, fichier. Oh là là. Bon, ça se présente bien. Déjà, premièrement, allons un peu. On va parler de quoi? De quoi pouvons-nous parler? Parlons d'un truc intéressant qui touche les jeunes de nos jours. Parce que je sais que par mes médias. Et de mes spectateurs. Bon. On va faire comme ça. Arbre. Arbre. Et arbre. Oh putain, la bouffe elle descend vite. Oh putain, de quoi? Ah si, j'ai trouvé une faire des cas. Bon, là je sais ce que j'ai. Attendez, je vais quand même aller. Option graphique de mon Digimax. Donc là, vous ne voyez absolument rien, maintenant vous voyez. Alors, première chose à faire, manger. C'est déjà ça. Et deuxième chose à faire, des torches. Ces torches sont magnifiques. Il y en a une là. Alors, attends, stop. Une là. Voilà. Ça devrait être suffisant. Voilà. Et je crois qu'avec un charbon, je vais pouvoir cuire pile lumière. Là, ça fait un peu de lumière. Par contre, je pense que c'est une bonne idée. Première vue. On va pas s'aventurer à l'extérieur pour l'instant. Là, on va. Là, il y a la terre. Oh, mais. Oh! Pardon. Ok, donc c'est là que vous voyez. Que. C'est là que vous voyez que quand je vais jouer à Slender, je vais vraiment me chier dessus, violent. Alors, on va. Bon.
pensais que je devrais vraiment pas faire ça. Je l'avoue, les gens, je suis hyper stressé. Si je meurs maintenant, ce serait vraiment cool. Ah non, en plus, mon jeu, il lag un peu. Oh putain, le zombie. Creeper là-bas. Mais bon. Avantage, on a une grande plaie. Désavantage, il y a des cochons. Désavantage, comme mouton. Oh non, oh putain, les gens, s'il y a la pluie qui tombe, ça va pas le faire. Oh my god, en plus, il pleut rouge, ça diminue. J'ai fait exprès, hein, qu'il pleut rouge. Comme ça, c'est... Oh non, mais si j'ai pas un lit, ça va pas le faire. Oh, oh là là, putain, bon. Alors, on va attaquer une mine artificielle et non pas naturelle. Oh là! Alors, oui, je sais, c'est bizarre. Ok. Voilà. Squelette, es-tu là? Oui, il est là! Ah, le salaud! Ouf, putain! Je sais pas où attaquer cette mine. Ah, voilà. Et là, on va élargir notre mine. Voilà. Check. Alors, nous allons débattre d'un sujet bien précis. Ce débat est le suivant. Êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous pour ou contre? Non, ouais, c'est con. Êtes-vous pour ou contre? Oh putain, les gens ont des chances. On est chanceux. Oh là là. Ça c'est sympa, on va pouvoir se faire un petit peu plus de torches. C'est cool ça, putain. Bon bah on peut dire que durant cet épisode, on a eu de la chance. La chance me sourit aujourd'hui. YouTube m'annonce que je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes. Je fais une vidéo tranquille. J'ai trouvé un jeu d'horreur assez connu sur lequel je vais pouvoir me chier dessus dans la joie de la bonne humeur pour que vous foutiez bien de ma gueule. Que demander de mieux, franchement? Que demander de mieux? J'ai déjà trouvé du fer, je trouve du charbon, il y a plein de grottes naturelles. Seul truc qui me pose un peu problème, c'est que je ne trouve pas de mouton. C'est vraiment, c'est à la recherche du mouton permis. Oh oui. Je vais faire une aventure sur Minecraft, je vais l'appeler la chronique du mouton permis. Ben, je vais l'appeler comme ça, cette vidéo. Cette vidéo se nommera la chronique du mouton perdu. Ha ha. Lol. Oh putain, la salle. Bon. Une grotte là, de toute façon. Faut juste pas tomber sur un monstre. Putain. Et j'avoue que je suis très tendu. Mais quand je suis très tendu, c'est du tendage, mais comme du stringage. Je suis super tendu parce que putain de creeper. Monstre, oh là là. Putain de creeper. Récupère ce charbon et maintenant on va terre. Magnifique. Nom du peuple. Bon ben, autant ramasser le charbon. Donc, ouais, je vais l'appeler à la chronique du mouton perdu. Ah non, à la recherche du mouton. Ah non, t'es sérieux. Bon, c'est un zombie.
peux pas me tuer pour l'instant. On va mettre dans la terre là et là. Ok. Pas d'autres charbon à récolter. Non, non. Ok. Oh putain, je reçois un message pile au moment où il faut pas. Je répondrai après. Il pleut toujours dehors, mais. Ouais, il pleut toujours. Bon, le voir, ça, c'était un peu prévisible, parce qu'on entendait le bruit. C'était par rapport à... J'arrive au moment avec ma pioche. C'est pas grave, je devrais avoir par le stick. Putain, faut que j'arrête de faire ça. On m'a souvent dit, ouais, tu finis plus tes phrases. Tu attaques autre chose. Alors, on va l'appeler à la chronique du montre perdu. Je sais pas si je continuerai cette aventure à la fin des 25 minutes. D'ailleurs, je vais observer maintenant l'heure qu'il est. Excusez-moi. Oh, on est à 21 minutes, les gens déjà. Putain, le temps passe trop vite. Celle-là, vu. J'ai pas dit grand chose. C'est sympa. Ok, alors on est à 20. Là. Ok, 21 minutes. Et mais ça, la petite musique, elle veut dire que c'est bientôt le jour. J'aime pas trop le gravir. Oh, j'ai eu un flint. Ça, c'est sympa. Ça va être un peu moins sympa du coup. Ouais, ça sent bon. Peut-être ça, mais on fait pas de mal. On va bien sûr. Paf, paf. Paf, paf. On va mettre une torche. Là pour indiquer là où on en était resté. Donc apparemment on arrive au bout de 25 minutes et pour vous dire j'ai vraiment envie de continuer ce truc hardcore avec vous, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tout ce que je peux vous dire c'est que d'après la musique le jour est levé. Comme il pleut. What the fucker, putain il m'a fait peur ce fils. Je suis désolé là, putain j'ai vraiment flippé. Bâtard. Pas à table. Casse-toi. Putain mais pourquoi il pleut, il crame plus du coup. Casse-toi mais s'il te plaît. Il m'a vraiment fait peur les gars, je sais pas. Vous l'avez sûrement vu. Mais j'ai vraiment flippé. Casse-toi, bon sang! Ah putain, mais. Brûle! Non. Je veux pas. S'il faut que je mange, j'ai plus de bouffe. Si j'arrive à le tuer, il me droppera peut-être un minimum de viande et d'un. Allez, mes mecs! Je sais qu'on est en arme, mais quand même, là, il y a de la boue. Oui! Oh, nourriture, nourriture! Je sais que je peux tomber malade, mais c'est déjà ça. J'ai dit, tiens. Bien sûr, si je tombe malade. Bon, alors, on va... Je vais regarder le temps encore maintenant. Oh. Ok, les gens, bon, c'est 24. Alors, on va retourner dans notre maison bouchée. Et puis bon, c'est pas grave, il fera un petit peu plus de 25 minutes parce que je dois vous 3 trucs. Alors, je vous dis. Oh putain. J'ai qu'une seule chose à vous dire. Enfin, plusieurs. Une seule chose. Enfin, ça se résume, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, et c'est un GM. Rejoignez ma page Facebook qui sera dans la description. Laissez des GM sur ma page Facebook. Commentez sur ma page Facebook. Commentez la vidéo.
Mettez cette vidéo dans les favoris, partagez-la, faites-moi de la pub, ça me ferait vraiment plaisir, ce serait vraiment cool. Et il a arrêté de pleuvoir. Ah, et à part ça, je vous dis enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ça, voilà. Donc on se retrouve normalement demain soir, je vais enregistrer le fameux Slender. Alors je vous dis à demain. Et sur ce, bonne nuit les gars. Et ciao, ciao, ciao.